Hello tout le monde, j'espère que ça va. Ce matin, c'est la course. Nous avons Milo avec nous, il est 6h du matin et nous arrivons à la gare de Béthune. Donc voilà, aujourd'hui nous partons à Paris parce que Joe a un taf et un petit tournage trop sympa. Donc voilà, ça va être trop bien. Bon, il y a un truc, c'est qu'on est parti en débardeur et qu'en vrai, à 6h du mat, il caille. Il fait super froid. Donc là, on va monter dans le train. J'ai décidé de prendre Milo, de laisser Mathéo à mes parents parce que Joe il part sur un tournage et que Milo a géré au niveau de son âge, etc. C'est beaucoup plus simple que Mathéo. Et du coup, Mathéo il va passer la journée avec sa mamie. Et du coup, c'est super parce que du coup, ma mère va pouvoir profiter à 100% de Mathéo. Parce que c'est vrai que quand les deux sont ensemble, Milo prend quand même pas mal de place et du coup là elle va passer juste un moment avec Mathéo, c'est trop cool. Attention départ. C'est ma femme. Non, pas dehors. Tu l'as dehors? Non, papa. Non. C'est ma femme. What? Ma femme. Non. Ma femme. Non. Ma femme. Non, c'est maman et papa. Tu veux que je parte? Oui. Ok, merci. Bye. Fais un gros câlin d'amour à maman. Papa est triste. Fais un gros câlin d'amour à maman. Hey. Ouais, Milo il a panda. Voilà, papa il va tourner aujourd'hui. Oh bio, bio. Et là il y a panda déguisé en bi. Et là-bas panda déguisé en coccinelle. Waouh. Voilà, je trouve ça vraiment trop mignon, c'est qu'on a Milo qui est avec nous et en vrai, moi je bosse pas aujourd'hui, je m'occupe de Milo. Ah non, ça c'est caca Milo, don't touch, c'est la poubelle. Et du coup, en fait, je trouve ça trop mignon, on vient voir papa travailler, il tourne pour une marque trop connue, trop bien. Et on va aller faire pipi, Ouais, go. Go pipi. Danse, Milo. Go. Tu dis bravo papa? Il est fort papa? Si, t'as dit bravo papa quand papa il a tourné. Milo il a fait bravo papa. Alors Milo il nourrit les pandas. Voilà. Il nourrit les deux pandas. Pendant que papa va travailler. On nourrit le panda. Fini. On finit. Fini. Alors nous allons chez Zara essayer de trouver des chaussures pour papa pour le baptême. Milo aussi, Milo a ses habits pour le baptême. Ah. Bah oui hein. Oh oui, ouais, les chaussures. Ah oui, les chaussures elles viennent de chez Zara.
Oui. Bon, papa n'a toujours pas trouvé ses chaussures, donc du coup, on continue. Voilà, objectif, trouver des chaussures pour le baptême. Ouais. Milo, tu sais que ton t-shirt, c'est un t-shirt de pyjama. T'as mis ton pyjama. Milo, t'as mis ton pyjama. Non, c'est Louis. Ah, c'est Louis? Yes. Ok, elle vient. Elle vient, Milo. Ok, mon amour. Follow papa. Joe, we go up ou pas? Non, c'est moi ça. Ah non, on descend. We go down. Non. Si, viens. Go down. Non. Entra, papa. Entra, maman. C'est pas possible d'avoir un style comme ça. Quand on lui met, il est beau gosse, lui. Voilà, là on est au jardin des Tuileries. Là-bas au bout, on a la Tour Eiffel. Là-bas, on a la Concorde et l'Arc. Là, on est dans le jardin des Tuileries. Voilà, on se promène, hein. Bon, direction Parc des Tuileries. Je suis en pause. Du coup, on va profiter pour faire plaisir à Milo, vu qu'il a été sage pendant mon tournage. Il était adorable. On l'emmène au parc des Tuileries. S'éclater. Bon, les amis, nous sommes actuellement au jardin des Tuileries avec bébé Milo. Nous avons marché depuis 4 heures au marais, du marais au jardin des Tuileries. On fait tout à pied. On a pris zéro taxi. Et franchement, on se promène et on kiffe, hein. Et là on va aller faire jouer Milo parce qu'on a vu quand on est venu il y a 2 jours à Paris, on a vu qu'au jardin des Tuileries il y avait comme une fête foraine, enfin il y a plein de jeux. Donc du coup Milo il va être trop content parce que c'est la pause de papa. Donc du coup on en profite pour le faire jouer. Merci pour la fête foraine, il est excité comme tout. Allez, let's go. C'est parti pour les jeux. Voilà. Tu vois, assimiler le travail et le plaisir, c'est magique. Milo. Il est comme un fou là. Bon, c'est parti, on va faire jouer bébé Milo. J'ai quoi faire, hein. Est-ce qu'il y a une fête foraine au jardin des Tuileries? Et on va essayer aujourd'hui, vu qu'il a 3 ans maintenant Milo, on va essayer de lui faire faire un jeu un peu... À sensation qui fait un peu peur. On va voir comment il gère son stress et la peur. C'est une belle expérience. Milo, est-ce que t'es fou aujourd'hui? Tu veux faire un truc, un grand truc ou pas? Un grand manège? On fait un grand manège? Monkey! T'es content Milo? Ah oui, il y a vraiment le monkey, regarde. Vraiment le monkey. Je vais l'ouvrir, hein, t'as vu? On arrive à l'ouverture. On fait la course, Milo? 1, 2, 3! Oh non! Ok Milo, tu vas réussir! Wow, tout seul il l'a fait! Ouais!
excuse me, mister. Bon, Milo, il s'éclate vraiment pendant la fête foraine, là. Oh là là. Let's go. Il va faire tout ça. J'ai voulu qu'on aille déjeuner chez Angelina. Donc nous sommes devant chez Angelina. Mais vu la queue, je ne veux plus manger chez Angelina. Il a une queue. C'est un mystère le truc. Tu veux faire la queue ? Ça fait 5 ans, j'essaye d'aller à Angelina. Toujours la queue. Je suis jamais allé. On peut aller chez Angelina à Dubaï. Ouais. Il y a personne. Pas la même. Je montre que t'as trouvé tes chaussures pour le baptême. Finally. Ça y est. On est qui journée jeudi là ? Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai attendu 3 jours avant le baptême. Ah. Alors que ça fait un an, je sais que je baptise 2 ans. Merci bien. Nous avons retrouvé Luigi Boy Paris. Toujours en jaune. Si vous savez pas où est-ce qu'il travaille, vous pouvez le retrouver à la Madeleine, à Leroy Merlin. Saluté. Milo. I'm coming back. Mon gros bébé vient de finir son bibi. T'as pris un bébé au chocolat? C'est Milo. Ça, c'est Milo. J'ai Milo. T'en as mis partout? Mon gros bébé. Allez, c'est l'heure du bras de fer entre Milo et papa. Two. Go. Qui va gagner? Il a gagné. Regarde le chien Milo. Bravo mon amour. Coucou le chien. Papa, t'as perdu. Ouais, c'est pas grave, j'assume. Bon, j'ai retrouvé mon petit JJ. À Paris, c'est périphérique. Coucou, t'as retrouvé maman. T'as retrouvé maman et papa. Ah ouais. Les cheveux. Non. Les cheveux à gauche. Tu peux rien faire parce que tu peux rien faire avec lui.